Bonjour Sonia Onkelings, est-ce que tu pourrais nous présenter les activités que tu mènes ici à la MJC de Castelnau-le-Lez? Alors bonjour, oui j'enseigne donc la méthode Feldenkrais. Le nom ne dit peut-être rien, bien qu'on en entende parler dans des articles, à la télévision, un petit peu de plus en plus et sur Internet, on peut trouver toutes sortes de compléments d'informations à ce que je vais dire. Donc c'est une approche corporelle déjà, donc ça, on utilise le mouvement. Comme un moyen de se guider. Donc on fait appel à nos sensations, à notre observation de nous-mêmes en train de bouger. Donc ce sont des séances qui se font en général au sol, assis, parfois sur des chaises, souvent au sol. Et les mouvements sont plutôt lents et plutôt dans la douceur pour essayer au maximum de trouver toutes sortes de façons d'économiser de l'effort et de mieux utiliser en fait notre potentiel. Donc de découvrir comment faire en sorte que le mouvement soit pris en charge par davantage de parties de nous-mêmes, redécouvrir toutes sortes de parties de nous-mêmes qui sont un petit peu cachées ou absentes ou ensommeillées, on va dire. D'accord. Et donc, c'est revenir à la base du mouvement pour pouvoir après développer ce qu'on aura appris là dans toutes sortes d'autres activités, toutes autres sortes de situations à vivre dans sa vie. Très bien. Et est-ce que c'est une discipline qui est accessible à tous? Absolument. Donc moi je donne des cours pour adultes, mais j'accueille à partir de jeunes adultes. À tout âge, jusqu'à même un âge vraiment avancé, voilà, on peut avoir des limitations physiques momentanées qui peuvent tout à fait. On peut avoir beaucoup de solutions en fait pour quand même pratiquer. Et donc il n'y a pas de contre-indication à cette méthode. Voilà. Et pour venir essayer un cours, ça se passe comment? Alors on vient dès jeudi prochain, donc le cours se déroule à 17h15 ici à la MJC, de 17h15 à 18h30, et on fait un cours d'essai pour découvrir, poser des questions. Voilà. Très bien, ben c'est parfait. Merci beaucoup, Sonia. Merci.